Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Bon, alors, vous vous en doutez au titre de cette vidéo et vous vous en doutez, de toute façon, au format que ça se voit, à ma voix de toute façon, que c'est pas une vidéo habituelle de gaming où je vais rigoler, machin, il n'y aura pas de montage, ce serait vraiment une vidéo où j'ai besoin de parler à cœur ouvert, voilà. Vous allez en même temps me servir de psychologue, en même temps il faut que je vous dise des trucs, voilà, qui sont un peu importants. Bon, si vous voulez pas regarder, après, je ne suis personne pour vous forcer, mais bon. Voilà, j'annonce quand même des trucs pour la chaîne, donc voilà. Bref, déjà, premièrement, j'avais remarqué tout à l'heure, enfin, oui, tout à l'heure, que bah ça faisait un an que j'étais sur YouTube. Voilà, j'avais pas vu que hier, c'était le 16 mars, et le 16 mars, c'est la date où j'ai posté ma première vidéo l'année dernière. Donc, bah, déjà, merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent depuis le début de ma chaîne YouTube. Presque 400 abonnés en un an, mine de rien, bah... Il y en a, ils vont me dire que gna gna gna, plus la merde, mais bah non, moi, je suis quand même content. 400 abonnés, c'est quand même cool, c'est quand même stylé, c'est quand même ouf pour le contenu que je fais, donc bah, merci beaucoup. Voilà, bref, là, bon, je vais passer, malheureusement, aux bad news. Il faut, parce que, bah, c'est le but de cette vidéo de base. Faut que je vous annonce qu'il n'y aura sûrement plus de GTA sur ma chaîne. Voilà, c'est pas volontaire, enfin, ça allait dans un sens, parce que... Parce que, premièrement, c'est des vidéos qui font pas beaucoup de vues, très honnêtement. C'est les vidéos qui font le moins de vues de ma chaîne, et que, pour ceux qui ne le savent pas, bah, j'en ai un peu besoin de faire des vues, quand même. Voilà, sinon, je peux pas faire ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube. Et deuxièmement, et ça va avec une autre information, vous ne verrez sûrement plus Krampus et Green Pass sur ma chaîne. Voilà, je suis désolé, mais... Premièrement, alors sachez qu'avec Green Pass, déjà premièrement, il s'est rien passé en privé entre nous. Voilà, je suis toujours, on est toujours très bons amis entre nous. Mais avec Krampus, malheureusement, je peux pas tout expliquer parce que bah, ça reste des informations privées. Il s'est passé des choses entre nous et il m'a dit des choses en tout cas. Et il s'est passé des choses en privé qui font que je ne peux plus lui adresser la parole aujourd'hui. Voilà. C'est à moitié de ma volonté, à moitié de pas de ma volonté, mais je peux plus lui adresser la parole. Voilà, je. Il s'est passé des choses qui font que c'est compliqué maintenant entre nous, donc voilà. Vous ne le verrez plus sur mes vidéos YouTube, et Green Pass, bah, même s'il grandit en dehors de ça, à cause de ce qui s'est passé, on va beaucoup moins se voir qu'avant. Donc je pourrais quasiment pas tourner avec lui. Voilà. Et que peut-être que vous le reverrez dans des vidéos sur Call of Duty si je tourne avec lui, parce que bah ça reste un de mes meilleurs amis quand même. Mais bon voilà, vous verrez plus Krampus sur YouTube, et très peu Green Pass en tout cas. Voilà. Sachez que, dans un sens, c'est pas de ma volonté. Bon, ça me permet de vous l'apprendre aussi, que j'ai des problèmes mentaux qui font dans un sens que, en privé, je peux être très chiant, vraiment. En vidéo, je peux être très chiant. Parce que j'ai des problèmes pour gérer mes émotions, de manière quotidienne. C'est peut-être que des fois, pour X ou Y raison, je m'arrive de péter des plombs. Voilà, pour rien, vraiment, de tout éclater, tout envoyer chier. Et en plus, j'ai potentiellement d'autres problèmes plus graves, même si, bon, ils ont pas du tout été diagnostiqués, donc c'est à prendre avec des pincettes. Ils sont peut-être plus graves que ce que j'ai déjà, voilà. Voilà, pour l'instant, c'est simplement du difficulté à gérer mes émotions depuis plusieurs années. Mais depuis l'année dernière, il se peut que j'ai d'autres trucs, voilà. Il se peut que sans me rendre compte, je suis peut-être tombé dans une espèce de dépression l'année dernière, parce que, bah, mon année 2023, ça a été une des pires années de toute ma vie. Entre... Bah, même si j'ai commencé YouTube, je suis pas mécontent d'avoir fait YouTube, entre en soi, hein. YouTubeur, il y en a qui le savent pas, mais c'est le métier de mes rêves. J'ai envie de faire YouTubeur depuis des années. Et faut savoir que 2023, gérer les vidéos, même s'il n'y en a pas eu beaucoup du tout, même si c'était le début de ma chaîne. En même temps, gérer mon bac, parce que ceux qui ne savaient pas, j'ai effacé mon bac l'année dernière. Je l'ai eu en juin 2023, septembre 2023, il me semble. Et gérer ça, plus j'avais commencé à développer d'autres problèmes mentaux et d'autres problèmes dans ma vie privée qui font que, bah... Ce qui s'est produit il n'y a pas longtemps devait se produire un moment ou un autre, je le pense de toute manière. Enfin voilà. Bref. Ouais, c'est pas très joyeux, je sais. Hein. Après, le principe de cette vidéo, c'est pas de dire que j'ai une vie de merde. C'est pas vrai. J'ai pas une vie de merde du tout. Je suis peut-être en train potentiellement de vivre la vie dont je rêve, franchement. Donc, bon, bah, je vais pas dire que je vis plus la merde, mais bon. Voilà, il y a eu des événements qui font que bah je ne verrai plus jamais Krampus et très peu Green Pass dans le cas. Voilà. Bref, je pense que tout le monde le sait pas, mais bon. Trouver des gens aussi, après, avec qui tourner, parce que, bon, du coup, ça veut dire que je vais tourner presque quasiment tout seul tout le temps. En même temps, c'est mon travail, c'est normal, dans la logique. C'est mon métier. Si j'ai envie d'en faire mon métier, je vais sûrement tourner tout seul très souvent, c'est logique. Mais trouver des gens avec qui tourner, c'est pas toujours facile. Parce que, bah,
Évidemment, j'ai commencé YouTube, il y a plein de jeux qui m'ont dit « Je veux tourner avec toi, je veux tourner avec toi, machin. » Mais des gens proches qui veulent s'afficher sur Internet, déjà, j'ai pas envie d'afficher tout le monde sur Internet. Je veux vivre d'Internet, mais je peux pas afficher toute ma vie sur Internet, ça paraît logique. Et il y a des gens proches avec qui je suis aujourd'hui, j'en ai très peu. Voilà, à part bah, Kido, si vous voyez sur Fortnite, que bah, y en a qui l'aiment beaucoup, c'est cool pour lui dans un sens, mais malheureusement, Kido, je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon ami le plus proche. Enfin, en tout cas, je ne suis pas son ami le plus proche, donc il a une vie aussi, lui. Il est pas YouTuber, à proprement parler, il fait encore des études. Et il est plus proche de d'autres gens, et je veux pas, et je ne peux pas, de toute façon, le forcer à venir tourner X ou Y vidéo sur tel ou tel sujet ou tel jeu, puisque, bah, même niveau jeu, le budget, bah, il est réduit chez nous, pour le coup. Moi, je gagne pas d'argent, donc des jeux, j'en ai pas 36 000, quoi. Voilà, bref. Et d'autres gens, bon, tu te reconnaîtras sûrement, le seul autre ami vraiment proche avec qui je suis, pareil, il a sa propre vie, puis il fait des études, il a à moitié temps sur un travail, donc, bah, je peux pas le forcer à venir faire des vidéos non plus. Voilà, bon, de toute façon, tu te reconnaîtras. Je donne pas ton nom pour des raisons logiques, mais tu te reconnaîtras de toute façon. Ouais. Parce que tu vas sûrement regarder la vidéo, toi aussi. Enfin, voilà, bref, c'était les news de ces derniers temps. Voilà, j'avais besoin de parler à Kyurouvert, ça me fait un peu du bien quand même. Voilà, j'espère que vous serez pas trop déçus pour GTA. Je pense que bah, plus tard, je le remplacerai par un autre jeu. Ça paraît logique, je le remplacerai sûrement. Mais bon, je sais pas quoi encore... Voilà, bon, la prochaine vidéo, ce sera pas une vidéo comme ça, bien sûr, dans pas longtemps, je ferai une vidéo sur un jeu que vous me demandez depuis un petit moment, que je me suis remotivé et je l'ai faite, elle sort bientôt, je pense, mardi, mercredi, si tout se passe bien, le temps que je travaille la fin de la vidéo et la miniature, parce qu'elle n'est pas finie d'être montée, bien sûr. Et je vous invite aussi à checker tout ce qui est communauté, parce que ce genre de vidéo, je peux pas en faire tout le temps, voilà, mon but, c'est pas de faire une chaîne de dépressifs, non plus. Et je parle souvent de sujets privés comme ça, pareil sur d'autres réseaux, voilà, enfin bref. Voilà, c'est pas une petite pub, c'est pour vous tenir au courant de ma vie privée s'il y en a qui veulent la savoir, voilà. Bref, moi je vais vous laisser là, je pense que j'ai dit à peu près tout, voilà. Et le but de cette vidéo, évidemment, c'est pas de dire que j'ai une vie de merde, bien sûr. Non. Encore une fois, j'ai pas une vie de merde, voilà. Bref, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, semaine prochaine, sûr et certain. Et puis bah, portez-vous bien, allez, salut!